Bonjour, frère Maxime, comment nous est? C'est GFL Cuisine Créole, Jean fait dans lundi. Votre chef à la maison qui rentre là, car nous, moi, dis nous merci. Merci pour confiance, merci pour fidélité nous, et merci pour bouche à l'oreille que nous fait moins. Je dis à la, je préparer pour nous, yon du riz mexicain gratiné. Même que 500 grammes de bœuf haché là, ça nous est les viandes mounées dans le pays noir, moi, je vais commencer à faire du riz pour nous. Moi, je mette 10 feu à 7.5, qu'on a la mbal qui te viande là, commencer à cuire. Et puis après ça, pendant que je fais toute procédure, et puis je vais dire qui ça me mettait là-dedans, qui ça nous va faire, qui va faire nous riz mexicain. Pendant que viande a commencé à colorer, nous avons ça bien parfait là. Moi, je mettais oignons là-dedans. Qu'on a fait graines oignons hein, soué. Oignons fin bien soué. Moi mets ton belle cuillère d'épices créoles là-dedans. Moi mets sel. Moi mets poivre. Moi mettez 3 quarts de tasse de pois là-dedans ou mettez n'importe quel pois. Là, mettons un pois multicolore ou qu'à faire avec pois noir ou qu'à faire avec pois rouge. Même venez avec 2 tasses de tomates, moi coupé en petit dé, moi mettez là-dedans. Moi-même, moi mettez tomates frais. Sauf que vous avez acheté tomates dans la boîte. Yo. Une fois que moi bien rassé, ça c'est oignon vert là lié. Moi mettez demi tasse. Moi quitte un petit reste pour après. Nous voilà pour qui ça. Ça c'est poivron vert. Moi mettez demi tasse. On l'autre poivron encore demi tasse. Une fois que moi mettez tout poivron ça ou qu'on a la même vine avec un tasse de jus de tomate. Ça nous le V8 là. Moi mettez là dedans. Même vini avec une tasse du riz là. Moi l'avais déjà. Moi mettez là dedans. Moi brasser le. Si vous voulez, vous avez droit de cuire du riz à l'avance. Mais moi, pas même lorsque vous cuire du riz à l'avance moi-même. Quand y a là, je mets ton couverture sous lit. Moi, je vais quitter le cuit. Après ça, je vais venir avec nous. Moi, je mets un feu doux. Pas trop fort. Mettez la 5 points. Quand on a après ça, je vais venir sous nous. Je vais brasser deux fois, je vais venir à la dernière minute peut-être. Nana durée elle est en cuite là. Puis je pense c'est pas cuite là, c'est bien cuit. Nana, je vais venir qu'on a ajouter le reste ingrédients. Je vais venir avec une tasse de maïs en grain. Reste poivron yo, tout reste légumes yo mettez. Ça là c'est piment bouc. Moi mettez là mettez me conserver grain yo pour qu'il y ait un petit goût piquant. Ou même qui quand on épicure des chili, ou quand on met des chili, c'est lui-même qui va le porter goût piquant. Je mets chili à tout, je ne pas mettre. Je vais embrasser. Et voilà. C'est ça qui est un riz mexicain. C'est parfait. Qu'on a mal goûté pour moi. C'est parfait. C'est excellent. Goût piment là. On fait mes fois. Tout comme ça, qu'à Séville, c'est le même si qui c'est un riz mexicain. Qu'on y a qui ça me fait, on te dit nous, c'est un riz mexicain gratiné mal fait pour nous. Une fois que c'est fait, qu'on a là, on va mettre dans le bol pour mal gratiner là. Pendant qu'on four a préchauffé, on va vider le bol là. C'est parfait ça. C'est vraiment bon là. Quand on a venir déposer le fromage là, remarquez que je vais graisser le plateau parce que le fromage je vais mettre sous l'eau, je vais mettre en bas froid pour le fromage seulement coloré. Donc, du riz va être temps pour coller en bas. Le fromage là, on va mettre le fromage ouvert. D'accord? On va mettre le fromage bien parsemé sous l'eau.
là moi préchauffer four moi à 350 m'a mettre dans bas four pendant une quinzaine de minutes comme ça pour le pour juste colorer après ça m'a sauté pour nous nous voilà ça et voilà meni yo du mexicain gratiné m'a quitté le refroidi là après ça m'a le couper pour nous c'est coupé doit c'est vraiment un vrai délice qu'on a là m'a le couper lui m'a le n'importe quelle façon. Nous, il n'est pas collé en bas chaudière. Hein? Nous, on te dit nous ça déjà, il n'est pas collé. C'est pas fait. Mais zenzen là. Waouh. C'est pas fait, c'est excellent. C'est excellent. Dans moi-même, je vais juste goûter là pour moi qui ça dit. Je vais porter bien du riz simplement. Mais avec ce fromage là, c'est très très bon là. C'est excellent, d'accord? Waouh. C'est maintenant tu goûtes piment sorti. C'est parfait. Comme nous-mêmes, nous sommes habitués à manger du riz comme ça, allez essayer le riz mexicain, ça nous va louer en bagaille. C'est très très bon, c'est excellent. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est entré là-bas. Nous, merci, au revoir.